Les femmes accouchent avec d'autres femmes de confiance depuis des millénaires et les femmes d'aujourd'hui en ont autant besoin que les femmes des cavernes. Et aujourd'hui, c'est notre travail d'être capable, oui, d'arrimer tout ce que la science nous a permis de découvrir sur la grossesse et l'accouchement, mais également de rester dans une relation qui est profondément humaine, de femme à femme, d'accompagnement, qu'elle soit capable d'aller puiser en la confiance que moi j'ai bâtie sur le processus de l'accouchement. Au départ, moi je suis une infirmière et j'ai été, par bonheur je dirais, j'ai été projetée un jour dans des salles d'accouchement en tant qu'infirmière, comme jeune infirmière, et vraiment pour moi être devenue sage-femme a été une évolution en termes de proximité avec les femmes, comprendre ce que les femmes désirent, comprendre tout ce qu'il y a dans le fait de porter un enfant, le mettre au monde, l'éduquer. Et c'est profondément humain, la maternité. Et je sais qu'à la maison de naissance, ici, les soins, l'approche, tous les services sont orientés vers des soins personnalisés, respecter la femme, la famille, le conjoint, les enfants dans leur manière à eux, leur permettre de l'exprimer et, avec nos connaissances, trouver ce qu'on peut faire de mieux pour leur assurer des conditions où ils se sentent respectés. Et ça, pour moi, c'est un cadeau. On a réussi quelque chose de majeur au Québec. Le modèle de pratique qui a été adopté au Québec est un des plus enviés au monde. Je pense que les sages-femmes ont ouvert certainement au Québec un pan en termes d'humanisation des soins. Et je pense que ça contribue à aider la population elle-même, puis surtout dans un territoire comme ici, où on peut dire qu'aujourd'hui, c'est 15 % environ de la population du territoire qui a recours aux sages-femmes pour le suivi de la grossesse. Alors, ce n'est pas peu, dans le sens où c'est la région au Québec où c'est, les sages-femmes sont probablement le mieux représentées en termes de pourcentage de suivi. C'est sûr qu'il y a un effet dans la population qui vient. Les services sont donnés et ensuite, les gens se parlent, les gens se côtoient. Ça fait partie, je pense, maintenant, de l'obstétrique dans notre région, les sages-femmes.